Bonjour à tous, il est 6h30 et merci de nous rejoindre pour ce quart d'heure d'information. On célèbre ce lundi 7 octobre dans le monde la Journée internationale de l'habitat. Le thème choisi cette année, la mobilité urbaine. On écoute le message du gouvernement à cette occasion, message délivré par le ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme. Et c'est au micro de Chantal et Oman Akandan. La Journée mondiale de l'habitat est célébrée chaque premier lundi du mois d'octobre. Cette année, la mobilité urbaine a été choisie comme thème évocateur des préoccupations liées au développement urbain et notamment à la lutte contre le mal-logement. Abidjan est la deuxième métropole de l'espace CEDEAO après la grande ville de Lagos. Cela en termes de population. Il est évident que compte tenu de sa croissance exponentielle, notre capitale, qui compte aujourd'hui plus du tiers de la population de notre pays, souffre de la problématique donc de la mobilité urbaine. Le gouvernement ivoirien vient de lancer un vaste programme de réalisation d'études d'urbanisme, des schémas directeurs et des plans d'urbanisme directeurs de tous nos grands centres urbains de l'intérieur du pays et du district d'Abidjan. Dans son message, le ministre de la Construction, de l'Assainissement et de l'Urbanisme a expliqué que la problématique de la mobilité urbaine est une priorité du gouvernement qui est engagé dans un projet de révalorisation des zones urbaines en difficulté. Le gouvernement l'a compris très tôt et c'est pourquoi, dès le mois de juin 2011, il a confirmé et réactivé tous les projets de construction des voies structurantes de la ville d'Abidjan, tout en lançant aussi un vaste programme de logements sociaux. À l'intérieur du pays, nous venons de démarrer 27 chantiers sur 32 chefs-lieux de département. Tous ces programmes tiennent compte de la problématique de la mobilité urbaine, parce que nous devons faciliter le déplacement de nos populations de ces lieux d'habitat vers les lieux d'activité. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, nous sommes conscients que beaucoup reste à faire. Processus de désarmement, de démobilisation et de réintégration des ex-combattants, un nouveau bureau régional de l'ADDR vient d'ouvrir ses portes à San Pedro. Le témoignage de Mamadou Kouassi. 30 000 ex-combattants à réinsérer d'ici à décembre 2013. C'est l'objectif que s'est fixé l'ADDR, l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration. À ce jour, elle est à un peu plus de 10 000 personnes réinsérées, un chiffre en dessous de la moyenne à quelques mois de la fin de l'année. Mais Fidel Sarasoro ne perd pas espoir. Il vient de lancer à San Pedro un programme dénommé 10 065 ex-combattants à réinsérer. Ce programme vise à réinsérer des artisans confirmés qui ont l'expérience d'un métier ou d'un art et qui attestent le maîtriser. Les 10 065, l'objectif c'est de les réinsérer à la fin de cette année. Voilà. Donc ils seront comptabilisés dans notre objectif de réinsérer 30 000 au cours de l'année 2013. Fidel Sarasoro rappelle aux ex-combattants que l'armée et les corps paramilitaires ne disposent plus de place pour accueillir d'autres personnes. La seule alternative qui s'offre à eux, insiste-t-il, est l'auto-emploi. Il les exhorte donc à s'inscrire dans ce programme de réinsertion. Et pour faciliter la communication entre ex-combattants et administration, un bureau régional de l'ADD a été ouvert. Ce bureau est chargé de recenser les préoccupations des ex-combattants afin de faciliter leur prise en compte. Nous sommes agréablement d'accord avec l'arrivée de l'ADD dans notre région. Pour leur installation, moi je pense que ça va nous arranger. Parce que toutefois qu'il y a quelque chose concernant les armes, directement on peut aller dans leur bureau. S'il y a quelque chose qu'ils ne remarquent pas, ils peuvent venir voir la chefferie autochtone pour pouvoir discuter ensemble. Les invalides et les blessés de guerre n'ont pas été oubliés. L'État a décidé de les prendre aussi en charge. Ceux-là ne peuvent pas diriger, ne peuvent pas gérer un projet. Donc comme ils ne peuvent pas gérer un projet et le chef de l'État ne veut pas les abandonner, il a demandé qu'on fasse le point, la liste exhaustive,
pour lui donner pour qu'il puisse les faire prendre en charge par l'État de Côte d'Ivoire. Et c'est cette mission que nous avons commencée depuis le mois d'avril. Le colonel major Bamba Sinima souligne que cette opération de recensement des invalides et blessés de guerre prend fin en décembre. Il invite donc les concernés à se faire identifier au plus tôt, faute de quoi ils ne bénéficieront pas de l'aide de l'État. Ce reportage est plutôt signé Herman Niamie. Le développement est en marche en Côte d'Ivoire et le Bafing ne veut plus rester en marge de ce mouvement. La région compte bien rattraper son retard. Elle bénéficie déjà de moyens pour réaliser ses projets. Mamadou Kouassi nous en parle. Aux dernières enquêtes des services du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, la région du Bafing occupait la dernière place en termes d'infrastructures scolaires. Il en est de même pour les secteurs de la santé, de l'électricité, de l'eau potable et des infrastructures routières. En somme, le Bafing souffre du sous-développement. Pourtant, cette région située au nord-ouest de la Côte d'Ivoire dispose de véritables potentiels humains et économiques pouvant booster son développement. Des richesses que le conseil régional veut exploiter aujourd'hui afin d'améliorer le quotidien des populations. Le président de cet organe, Diomandé Lassina, et son équipe veulent dans un premier temps permettre à Touba, le chef-lieu de la région, de disposer d'une structure bancaire afin d'éviter le déplacement des fonctionnaires jusqu'à la ville de Mans. Autre projet immédiat, le reprofilage des routes, pour le coulement des produits agricoles, ainsi que la réhabilitation et l'équipement des structures scolaires et sanitaires. Pour réaliser tous ces projets, Diomandé Lassina exhorte tous les cadres à l'Union afin de sortir le Bafing de la pauvreté. Aux populations, il demande la culture de la paix et du pardon afin de bâtir une région prospère et développée, participant à la croissance économique de la Côte d'Ivoire. Pour rapprocher la collectivité des populations, le Conseil s'est doté d'un siège à Touba, une première depuis 2001. La Croix-Rouge de Côte d'Ivoire décide de créer des comités régionaux afin d'être plus proche des populations. C'est ce qui est ressorti de la 7e Assemblée générale de l'organisation qui a également profité de l'occasion pour faire le bilan de ses activités. Herman Niamie. Ils ont été pour beaucoup dans la suivi des populations pendant la crise post-électorale. Partager à apporter de l'aide aux blessés et à contribuer à assainir la ville d'Abidjan en soutenant les pompes funèbres. Certains ont même payé le prix fort, leur vie, malgré des pertes en leur sein. Ces volontaires de la Société nationale de la Croix-Rouge de Côte d'Ivoire ne se découragent pas. À l'occasion de la 7e Assemblée générale qui s'est tenue à Bengourou, ils ont pris l'engagement de remplir avec responsabilité et abnégation leur mission, celle de voler au secours des populations en difficulté. L'unité, c'est l'un de nos principes fondamentaux les plus efficaces, car lorsqu'on est unis, on entreprend de très grandes choses. Unis, nous pouvons soulever des montagnes. Donc, chers volontaires, soyons unis. Dans le but de se rapprocher davantage des populations afin d'améliorer leurs conditions de vie, des comités locaux et régionaux de la Croix-Rouge seront ouverts dans les différentes villes de la Côte d'Ivoire. Cette décision des responsables de la Croix-Rouge nationale est saluée par le Comité international de la Croix-Rouge et la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge. Ils ont promis apporter le soutien nécessaire afin que cette initiative profite aux populations. Séminaire de formation à Thiébissou dans le centre ivoirien, l'inspection de l'enseignement primaire et préscolaire de la ville a procédé au renforcement des capacités d'une vingtaine d'enseignants spécialistes d'enseignement en langue maternelle baoulé. Le point de cette rencontre avec Abou Sanogo. Former les enseignants et encadrer en données de base linguistique en baoulé, conduire des activités en cycle d'initiation et en première année d'apprentissage en langue maternelle constituent entre autres les résultats attendus à cet atelier de Thiébissou. Thiébissou abrite ses premières écoles intégrées pour l'enseignement en langue maternelle baoulé depuis l'année scolaire dernière. Cette circonscription d'enseignement primaire est en passe de devenir une plateforme de ce type d'enseignement novateur. Pour Abou Kofi François, l'inspecteur de l'enseignement primaire et préscolaire de Thiébissou, l'enseignement en langue maternelle présente beaucoup d'avantages. Entre autres, l'accès direct à la connaissance pour l'enfant qui apprend dans sa langue maternelle, la réduction du nombre d'années d'études primaires de 6 à 5 ans, d'où un gain énorme pour l'État de Côte d'Ivoire. Nous gagnons beaucoup à l'éducation nationale. D'abord, au plan didactique. L'enfant qui apprend dans sa langue familière, la barrière linguistique étant levée, il y a un lien affectif qui le lie à son enseignant parce que l'enseignant parle la même langue que lui. Alors, et partant de cela, il a accès à la connaissance sans apprendre la langue. Et cela a un gain de temps. Et de deux, au plan économique, la Côte d'Ivoire gagne beaucoup parce que d'abord, un, avec l'enseignement en langue, on réduit la scolarité de 6 à 5 ans. Donc, l'État gagne en termes d'infrastructures d'accueil,
et d'équipement, en termes de recrutement des enseignants et aussi en termes de rendement scolaire. Enseignants et conseillers pédagogiques des écoles Pilote de Thiébissou ont appris au cours de ces séminaires les rudiments de base de la pédagogie active et participative appliquée à l'enseignement en langue baouli. Les 125 écoliers des 5 écoles pilotes de l'année scolaire dernière sont renforcés cette rentrée 2013-2014 par 130 nouveaux élèves en classe maternelle, soit un total de 250 écoliers inscrits, encadrés par 10 enseignants spécialistes. C'est le lieu de parler d'une victoire écrasante. Le président Henri Konan Bédié vient d'obtenir un nouveau mandat à la tête du PDCI RDA. Il a été réélu avec 3500 voix, soit 93% du suffrage exprimé. Il est suivi dans le classement par les candidats Djedje Madi et Kwadio Konan Bertin Dikakabe. Thomas Nguessambi. Commencé en fanfare, c'est en fanfare que les lampions se sont éteints sur le dernier congrès du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, section du RDA, le 12e de son histoire. À l'ouverture de cet important rendez-vous pour le PDCI RDA, le professeur Mia Kaoreto du FPI ne croyait pas si bien dire en demandant au vieux parti de continuer à servir de modèle pour les autres formations politiques et pour la Côte d'Ivoire. On aurait dit aujourd'hui chose faite. À ce rendez-vous où le fauteuil du président du parti était mis en jeu, on peut le dire, l'enjeu n'a pas tué le jeu. Le président Henri Konan Bédié succède à lui-même avec plus de 93% de suffrage contre 3% pour chacun des deux autres candidats en lice. Pour déclarer officiellement Henri Konan Bédié, président élu du PDCI RDA ce congrès, tout en se gardant de tout commentaire, les deux autres candidats ont répondu présents, tout comme les 5000 congressistes qui ont effectué le déplacement du Palais des Sports de Trècheville. Devant eux, comme devant les invités du parti, le président élu dit saluer la confiance placée en lui par les congressistes, tout en tendant la main au professeur Alphonse Didier Madi et à Kwadio Konan Bertin. Pour la dynamique de la cohésion, Henri Konan Bédié est revenu sur la nécessité du renouveau, rajeunissement et renaissance dans la gestion du parti et la reconquête du pouvoir d'État en 2015. Séance tenante, le président procède à de nouvelles nominations avant de lever la séance. Hors de la Côte d'Ivoire, à Madagascar, la campagne présidentielle bat son plein. Les meetings publics s'enchaînent depuis quelques jours. 33 candidats s'affronteront à l'élection présidentielle du 25 octobre prochain. Panneau d'affichage, meeting à 3 semaines du scrutin, militants. 33 candidats pour près de 8 millions d'électeurs. En l'absence de poids lourd, bien malin qui peut dire quel sera le nom du vainqueur. Trois candidats pourtant semblent favoris. Soutenu par Marc Ravalomanan, Jean-Louis Robinson. À chacun de ces meetings, il apparaît flanqué de l'ex-première dame, dont la candidature a été retoquée. Son credo, obtenir le retour de l'ex-président en exil en Afrique du Sud. Marc Ravalomanan doit rentrer au pays. Ce sera une preuve concrète de la réconciliation nationale. Saura-t-il rallier les plus fidèles partisans de Ravalomanan? Pas sûr. Face à lui, une grosse machine en campagne. Eri Rajaonarimabukan, candidat officieux d'Angra Zoel. Ex-ministre des Finances, il est partout dans les médias. Il bénéficie du soutien d'artistes et d'anciens ministres. Très fortuné, il sait pourtant trouver les mots pour convaincre les électeurs que la crise a laissé sur le bord de la route. Je vais créer beaucoup d'emplois pour vous les jeunes. L'aide aux plus pauvres sera pour moi une priorité. Je vous demande de me tendre la main pour que cela ne reste pas une promesse. Même discours, même promesse dans la bouche de son rival, nous allons combattre l'illettrisme. Nous allons vaincre la pauvreté. Initialement investi par le parti d'Angra Zoel, il a été lâché en route, mais il a un atout, comme le dernier président malien qui a été depuis 4 ans, c'est le fils de mer quand il en arrive. L'histoire se répétera-t-elle? Lui, en tout cas, veut y croire. Parcourons à présent le continent africain pour y découvrir l'actualité en bref. Notre première destination est l'Égypte, où les frères musulmans continuent de manifester dans la rue.
40e anniversaire de la guerre du Kippour et journée sous très haute tension en Égypte. Des heurts ont éclaté entre pro et anti-Morsi qui avaient appelé à manifester à cette occasion. Au Caire, la police a fait usage de gaz lacrymogène et de balles en caoutchouc pour disperser les partisans du président déchu. À Delga, au centre du pays, les affrontements auraient fait au moins un mort. En Tunisie, Ennahda s'engage à quitter le pouvoir. C'est ce qui ressort de la feuille de route signée samedi entre le parti islamiste et l'opposition laïque. Un premier ministre indépendant devrait être nommé avant la fin de la semaine prochaine. Il aura 15 jours pour former son cabinet. Cette feuille de route est le point de départ du dialogue qui doit réunir toute la classe politique tunisienne pour sortir de la crise politique, avec pour objectif l'adoption d'une constitution et d'un calendrier électoral. La fin des concertations nationales en République démocratique du Congo, elles auront duré un mois. La synthèse des travaux a été remise au président Joseph Kabila samedi. Elle prône une meilleure gouvernance et un renforcement du rôle de l'État. Le président a promis de convoquer rapidement le Parlement pour y répondre. À cette occasion, des mesures importantes seront annoncées pour y donner suite, répondre aux préoccupations légitimes des délégués et par-delà à celles de notre peuple. La fronde de l'opposition au Niger. Samedi, 20 partis politiques ont créé l'ARDR, l'Alliance pour la République, la démocratie et la réconciliation, contre le chef de l'État. Parmi les signataires, le MNSD, l'ex-parti au pouvoir, et le mouvement démocratique nigérien, l'ancien allié du président qui s'est retiré il y a 2 mois de la coalition gouvernementale. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur www.rt.ci. Je vous souhaite un très bon début de journée.